Hey, salut à tous et à toutes, c'est Ekar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va potentiellement vous rapporter à tous et à toutes 200 euros. On est actuellement avec JBC, il va vous parler un petit peu de ça tout à l'heure. Comment tu vas mon petit JBC? Ça va et toi? Ça va, nickel. Alors, on est réunis en ce jour pour vous montrer une petite map edit. Et oui, la map edit de JBC, donc on peut voir ici donc le JBC Edit Tournament. Donc vous pouvez voir le code de la map. Si jamais il est trop petit, parce que si vous êtes sur mobile ou une autre plateforme, il sera en description et en commentaire épinglé. Vous ne pourrez pas louper le code de la map quoi qu'il arrive. Ok. Alors du coup, JBC va rentrer dans la map. Je vais être en mode spectateur parce que vous savez bien que je ne sais pas edit un mur. Donc les potos, il y a JBC du coup qui va tout montrer. Il va montrer les mécanismes de la map et comment la faire, etc, etc. Et du coup voilà, je laisse maintenant JBC le faire, il vous expliquera tout. Et re donc juste avant de lancer la map, là on est directement dans le lobby, donc on peut voir donc JBC YouTube, JBC stream, on voit du coup aussi son Twitter, voilà son nom en gros, on a son petit code créateur si vous le souhaitez les potos, Charlie69720, ou alors code créateur Bokumi, mais après c'est vous, faites ce que vous voulez. Bref, etc, on a pas mal de choses. Et vous pouvez voir donc en haut à droite, là où il y a la map, toutes les informations du créateur de la map. Donc voilà, si jamais vous voulez lui faire des commandes, etc, vous pouvez aussi. Donc voilà, sur ce, on va directement sur la map et je te laisserai du coup montrer tout ça, let's go. Du coup, il y a 100 euros de cash prize sur les manettes et 100 euros de cash prize sur les clavier souris. J'ai fait exactement égal pour pas qu'ils disent ouais, il n'y a pas assez, c'est égal. Du coup, on est jusqu'au 7 janvier 2021, donc je laisse quand même pas mal de temps. Là, c'est petite chaîne de la Fatalis. Yep. Et du coup... Alors, du coup, tu m'as expliqué juste avant, off, du coup, qu'il y avait un système de restart. Donc, il y a deux systèmes pour que, si jamais tu te foires au milieu de la map et si tu te foires dès le début. Là, tu te foires ici, t'appuies ici, tu restarts. Ou sinon, t'es un peu plus avancé et tout, t'es là, t'as fait ça, et là, tu te fail. Tac. Et sinon, au lieu de faire arrêter le jeu et relancer, t'as juste à danser 4 secondes, comme ça, tu danses, une petite danse, et ça relance directement la map. Ok, donc ça c'est pas mal, par exemple si vous foirez au niveau de la fin de la map, voilà, vous n'avez pas besoin de refaire 50 ans, voilà, vous êtes directement au retour au lobby, donc ça c'est nice. Donc il n'y a pas de truc t'appuies ça lance, c'est dès qu'en fait t'as passé ici, et ça lance le chrono derrière. Du coup aussi c'est la première épreuve, c'est vous décidez quand vous avez envie, là c'est des petits 90, les différents très systèmes, propre. Ça dépend. Donc après vous arrivez ici, là il y a ça, vous l'idée comme vous avez envie, vous pouvez restart ou sinon passer ici, c'est comme vous voulez. Après là c'est simple à comprendre. Tac. Nice. Ouais, aussi, les gars, c'est... JBC il dit c'est simple à comprendre, moi je suis... Ok. Donc ici vous avez un pompe, soit vous tapez à la pioche, soit au pompe et vous tirez sur la petite boule blanche. C'est une épreuve sympathique, pas trop de legit, mais c'est une petite épreuve sympathique. Il y a plus voilà, après, moins, cette force à regarder où sont les trucs, donc ça te fait une mini épreuve d'aim au milieu quoi. Voilà. Ok, donc là simple, schéma classique des edits. Voilà. Nice. Mais si t'arrives, t'as un pompe, t'édites les deux, tu dois avoir tué le bot et avoir réédit soit la pyramide ou soit le sol pour pouvoir passer. De toute façon, ça te bloque. De toute façon, si tu tues le bot et que tu veux passer, tu peux pas. Faut réédit soit un des deux, pas les deux, mais juste un des deux. Donc ça c'est bien parce qu'on voyait par exemple qu'au Boozy Tournament ou autre, généralement si tu foirais le pic ou alors si tu foirais le bot, il fallait que tu regardes en vitesse très ralentie pour voir si le mec visait bien le truc. Donc voilà, c'est casse-couille là. Au moins là tu tues là, le bot et tu réédites, c'est bon quoi. Là c'est simple, t'as un sol, tu réédites et si tu tombes, tu reviens là. Voilà. Ici, t'édites. Et tu restart. Simple. Efficace. Simple, efficace, c'est pas ça, c'est JBC. On édite un peu comme on a envie. Nice. En fait, c'est simple à comprendre. Pas forcément simple à faire, mais simple à comprendre. Donc ici, il avait fait un petit schéma. C'est que t'as pas le droit d'éditer comme ça. Tu dois... Enfin, non. Tu dois éditer les cases au-dessus. Du coup, ça ferait comme ça. Donc comme ça. Nice. Les 6 cases au-dessus. C'est pour ça qu'on a mis des petits escaliers pour que ça soit plus simple à comprendre. Ouais, comme ça, tu es sûr et certain que tu vas pas éditer en bas, quoi. Ouais. Ça simplifie le truc. Après, là, t'arrives, il y a les bots.
Tant que t'es protégé des deux côtés, du côté droit, gauche et devant, c'est validé. Par exemple, il y en a, ils font comme ça. Ça dépend. Mais tant que t'es protégé des deux côtés, c'est validé. Nice, ok. Donc vous avez plusieurs variantes, hein. Vous trouvez la meilleure technique après et regardez aussi très souvent, parce que JBC va faire des réactions sur sa chaîne YouTube. Elles ne se trouveront pas sur ma chaîne YouTube, mais elles se trouveront sur la chaîne de JBC. Donc voilà, regardez un petit peu les réactions qu'il va faire. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir sûrement des techniques de joueurs pro qui vont vous dire bah, tout simplement telle ou telle technique sont mieux, etc. Donc voilà. Bah là, on édite comme on a envie, le petit accélérateur, tu peux éditer comme ça, comme tu as envie. Nice, ok. Si t'arrives, donc là t'as ça, tu peux pas construire. Faut que tu sautes et que t'édites comme ça. T'édites comme t'as envie, mais tu sautes et voilà. Ok. Ça c'est un peu le seul manche. Ouais. T'édites comme t'as envie. Là après c'est simple à comprendre, c'est une descente. Et après dans la descente, ça devient de la pierre ou c'est juste des sols. Nice. Voilà. Après là c'est un peu plus original. T'édites, t'as une pièce. T'es pas obligé de réédit pour pouvoir passer. T'as juste besoin d'avoir chopé la pièce pour pouvoir passer. Yep. Donc, t'édites comme t'as envie, tu peux faire une fenêtre, ça dépend des fois. Ok, ce qui t'arrange du moment que tu chopes la pièce, quoi. Ouais, de toute façon, t'es obligé d'avoir pris la pièce pour pouvoir passer, sinon ça bloque. Ok. Moi, bon, on est bien sûr qu'il a pris la pièce. Là, au moins, c'est sûr et certain que t'as de l'aim, quoi, au moins. Ouais. Ça, c'est nice. Donc, si c'est un. Tu dis comme t'as envie, tant que tu passes. Ouais. Donc, si t'arrives, c'est une nouvelle épreuve qui a jamais été vue. C'est un cramponneur. On a même mis le petit rond, que ce soit plus simple. T'arrives, tu fais tac. Ah, bah là, par exemple, je me suis fail. Mais c'est pas grave. Yep, après, voilà, les gens, soyez indulgents. JBC, c'est pas le pro non plus. Il se débrouille très, très bien. Mais voilà, voilà. S'il avait votre talent, à mon avis, il les gagnerait plutôt que de les faire donner. C'est le cash prize. Ouais. Donc là on fait ça, comme t'as envie, là t'édites, et là je peux gagner du temps en éditant sans toucher, mais bon c'est compliqué. Et là après t'arrives devant le chrono qui est arrêté. Nice. Voilà. Et ben voilà, en tout cas, bah les potes, encore une fois, vous avez jusqu'au 17 janvier pour poster du coup des vidéos avec le hashtag JBC Edit Tournament. Voilà, donc on fera des réactions donc avec JBC peut-être, ou alors voilà, de toute façon ça va être sur la chaîne de JBC quoi qu'il arrive, d'accord. Donc voilà, chaîne JBC YouTube, donc dans les commentaires et dans le message épinglé également. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, et de toute façon, les gars, tous les tips pour réussir comme il faut ce tournoi là, ce sera chez lui. Et du coup les potos, bah n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis bonne chance à tous et à toutes qui auront testé tout ça. Et puis voilà.